Hello, bonjour. On est de retour. Je vous montre la motorisation. Voilà. Le secret de l'industrie, c'est la recherche et le développement. Vous pouvez voir la motorisation. Ça, c'est les ingénieurs moteurs. Voilà. Chez nous en technologie, on explique aux enfants le moteur à cylindre à 4 temps. Mais ils n'ont jamais vu le moteur à cylindre à 4 temps. Voilà ça. Ici, c'est un simulateur. C'est un simulateur. Voilà, c'est un simulateur. Ici, c'est le châssis. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le châssis. Comme on dit ingénieur dans la course automobile, on dit ingénieur châssis. Ça, c'est le châssis. Là-bas, c'était le moteur. Bon, ici, c'est le milieu, c'est le moteur. Donc, en gros, la moto, c'est ça. C'est le moteur. C'est le châssis. Bon, vous avez là le châssis. Donc, ici, là, vous avez les différentes évolutions moteurs. Savoir que la marque a d'abord développé les moteurs, et non seulement parce que les Camerounais me posent souvent la question, mais oui, mais ils vendent seulement leur moto là, on voit pas ça ailleurs. Non, ils dessinent les moteurs. Il y a des motos que vous achetez Yamaha, Suzuki, mais en fait ce sont des moteurs, ils sont équipés avec un moteur fabriqué par Arlet. Donc Arlet leur donne les moteurs et eux ils fabriquent seulement le châssis, comme vous voyez là. Donc, Arlet livre les moteurs et ils fabriquent le châssis. Alors, ceux qui disent qu'on ne peut pas faire les affaires avec les États-Unis, c'est l'occasion aussi pour moi de leur dire que c'est faux. Parce que vous pouvez venir aux États-Unis, pas pour acheter les motos, mais vous pouvez venir acheter une version de ce moteur et fabriquer vous-même votre châssis et assembler, avoir une moto haut de gamme, avec un moteur qui est solide, qui peut durer le plus longtemps possible. Donc, voici les versions moteurs. Donc, vous avez différentes versions moteurs. Je vous montre ça de très près. Là, vous voyez, ce sont des versions moteurs. Donc, ils ont différentes versions moteurs. Donc, ils n'équipent pas seulement leur moto, ils équipent aussi d'autres motos. Donc, par exemple, ici, si je sélectionne ce moteur-là, vous voyez, j'aurai le maximum d'informations sur lui. Avoir la version course. Voici la version utilisée en course pour ce moteur. Dans la version course. Voici la version course. Voici la version. Donc, engine basique. Si vous voulez savoir à peu près les moteurs, voilà. Il y a le 1 cylindre, il y a le 2 cylindres. Par exemple, le 2 cylindres, c'est quoi? Voilà comment le 2 cylindres se comporte. Voilà, voilà le 2 cylindres se comporte. Moteur 2 cylindres. Si je veux savoir le moteur
un cylindre. Voici comment ça fonctionne, le moteur un cylindre. Voilà. Donc, si je veux, le suivant, vous avez les moteurs les toujours plus performants. Voilà. 190 degrés. Vous voyez la composition à l'intérieur. Donc, ça devait interpeller nos opérateurs économiques qui vont seulement acheter des produits finis pour venir revendre sur notre marché. Non. Les Chinois, quand ils viennent ici, ils négocient les engins. On leur transfère le savoir-faire. Ils achètent d'abord les moteurs. Ils fonctionnent pendant 20 ans. Ils construisent eux-mêmes le châssis. Et puis, ils vendent en Afrique. Et puis, le jour où ils pensent qu'ils peuvent trouver une version qui est meilleure, ils lancent une version qui est meilleure. C'est comme ça. Donc, vous voyez vous-même, si ce mur, si ça, c'est une petite, une infinité. Ils ont plus de 1000 moteurs. Ici, avec un moteur, on peut équiper une moto qui fonctionne très bien chez nous. Donc, voilà ça. Ouais. Voilà. Je vais interrompre le direct pour faire quelques photos. Et je reviens tout à l'heure.